reprises. Le tir. La balle qui est soulevée avec force au champ gauche. Et le voltigeur Pelletier recule à la piste de l'avertissement. Et ne peut saisir la balle qui donne contre la clôture. Claude va venir marquer. Parra contourne le deuxième. Voici arrêté. Un double pour Jeffrey Parra. Et les Capitals prennent les devants. C'est 1-0 Québec. Prise à Castro, le tir. La balle qui est frappée. Oui. Tout juste hors de la portée du joueur de l'arrêt-court. C'est bon pour un simple. Parra contourne le troisième. Fil au marbre. Il n'y aura pas de jeu. Il est sauf sur la glissade. Sur le jeu, Castro se retrouve au deuxième. Et c'est 2-0 Capital. Le tir à Claude qui soulève la balle au champ opposé. Le long de la ligne du troisième, ça va tomber en lieu sûr. Ça donne contre la clôture. Claude contourne le premier, s'en va au deuxième. Il y aura un relais, mais pas à temps. Claude avec un double. Et les Capitals sont en forme, mon cher Jimmy, cet après-midi. Semi est dans un air. Et la balle est frappée avec force par Parra dans l'allée du champ gauche. Et elle va donner contre la clôture. Claude contourne le troisième, fil au marbre. Un double pour Jeffrey Parra. C'est 4-0 Québec. Ça, ça a donné le ton, là. La balle qui est tirée par White au champ opposé, ça va tomber en lieu sûr et ce sera pour plus d'un but. Parra contourne le troisième et file au marbre. On va demander à Castro de filer au marbre également. White, ce sera un double qui produit deux points. Les Capitals mènent 6-0. La pause de Smith. Le tir. La balle est frappée au champ opposé, ça va tomber en lieu sûr, ce sera pour un point. Et on va pousser le deuxième au marbre. Un simple qui produit deux points.